Tolobi amen. Shalom. Bandeko shalom. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Kombo ya kolo e pambwama. Nous commençons une semaine extraordinaire. Dozo banda poso moko kitoko makasi. Amen. Et ça sera la meilleure semaine de ta vie. E kozala poso kitoko ya bomoi na yo. Je suis amen. Heureux de ce que quelqu'un sait cela et il a confessé cela. Je disais que ce sera la meilleure semaine. Amen, amen, amen. Tu peux d'ailleurs donner l'information à ton voisin que cette semaine est la meilleure de ma vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand Dieu entre dans la vie d'une personne pour lui faire du bien, il change tout ce qui ne va pas pour que ça marche. Amen. Et quand Dieu vient intervenir pour une personne, les choses qui marchaient bien commencent à marcher mieux. Cette semaine, c'est la semaine de terminer tous les problèmes. Tout ce qui n'allait pas, ça va aller. Wow. Je suis en train de dire à une personne que tout ce qui n'allait pas va. Et la bonne nouvelle, tout ce qui allait bien va aller mieux. Amen, amen. Tu n'as pas donné un bon amen. Jean chapitre 2. Mokanda Yohane mokapona ngami balé. Jean chapitre 2, nous allons lire du verset 1 au verset 11. Tokotanga molongo ali boso kino na oyo ya zomi na moko. Trois jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau les savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crure en lui. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons retirer comme leçon à partir de ces textes. La première leçon que je voudrais que nous puissions retirer, peu importe les problèmes, la présence de Jésus change tout. Amen. Peu importe les problèmes, la présence de Jésus change tout. Amen. Peu importe les problèmes, il suffit de les partager à Jésus pour que ces problèmes trouvent solution. Amen.
peu importe les problèmes. Il suffit de les partager à Jésus. Il y aura la solution. Dans ces passages que nous venons de lire, Jésus a été invité dans une fête. Et le vin est venu à manquer. Heureusement pour eux qu'ils avaient aussi invité Jésus. Sa mère leur demande, vient vers Jésus, dit, ils n'ont plus du vin. Et à Jésus de lui répondre, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venu. Ce n'était peut-être pas l'heure pour que Jésus commence les miracles. Mais la foi de Marie a précipité les choses. La grande leçon que nous pouvons encore retenir, ne regardons pas l'ampleur de notre problème. Regardons la capacité de Jésus-Christ. Ne regardons pas l'ampleur de notre problème. Regardons la capacité de Jésus-Christ. Une autre leçon que nous pouvons retenir, nous n'avons pas besoin de savoir ce que Jésus fera d'avance pour résoudre notre problème. Nous n'avons pas besoin de savoir d'avance ce que Jésus fera, mais nous avons simplement besoin de croire en lui. Si vous voulez les saisir d'une autre manière, la méthode que Jésus va utiliser pour résoudre notre problème dépend de lui. La méthode que Jésus va utiliser pour résoudre notre problème dépend de lui. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de poser notre problème et d'avoir confiance en lui. Une autre grande leçon que nous voyons à travers de cette la confiance en Jésus ne trahit pas. Elika, la Bible a raison. Ceux qui se confient en l'Éternel ne sont jamais couverts de honte. Et ta confiance en Dieu ce soir ne va pas te trahir. Alléluia. Amen. Peu importe le problème, ta confiance en Jésus ne va pas te trahir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Une autre grande leçon que nous pouvons retenir ici, c'est ce que Dieu fait dans nos vies est largement meilleur que ce que nous pouvons faire de nous-mêmes. Ce que Dieu fait dans nos vies est largement meilleur que ce que nous pouvons faire de nous-mêmes. Le vin vino fabriqué par les hommes était incomparable au vin que Jésus a fait. Na vino o Yesu asalaki. Le vin fabriqué par Jésus vino oyo nkolo Yesu asalaki ne pouvait pas être comparé au vin des hommes. Et pourquoi vous comparez la vino ya bato basali? Ce que Dieu va faire dans ta vie sera au-dessus de ce que toi-même tu peux faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Je répète, ce que Dieu peut t'offrir sera incomparable à ce que le monde entier peut t'offrir. Le monde entier. Le savant. Baba savant. Le riche. Batona bozui. Les sages. Batona boanya. Ce qu'ils peuvent t'offrir. Oh bako kabela yo toko pesa yo. Est incomparable. Eko kokanata mokete. À ce que Dieu va faire. Na onzamba ko sala pona yo. Je te vois maintenant entrer dans l'expérience de ce que seul Dieu peut faire pour toi. Et cela sera meilleur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Les amis, Baninga, le naturel, Oya Mokili, ne peut pas s'égaler au surnaturel. Le surnaturel, d'ailleurs comme on le dit, c'est surnaturel. C'est au-delà du naturel. Dieu est le Dieu du naturel. Dieu du naturel. Dieu dit naturel, de ce qui est naturel, c'est ce qui est normal. Et le Dieu du surnaturel. Quand Jésus est arrivé, fête, il ne s'est pas opposé qu'on donne du vin aux gens. Que les gens boivent du vin naturel. Il ne s'était pas opposé à ça. Dieu n'est pas opposé à ce que les gens de ce monde te bénissent. Mais sa bénédiction est meilleure. Parce que Dieu n'est pas opposé que tu ailles chercher de l'aide chez les gens. Mais son aide est meilleure que l'aide des gens. Dieu n'est pas opposé que tu ailles voir le médecin pour des soins médicaux. Mais les soins de Dieu sont meilleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Ce que tu crois, c'est ce que tu vas recevoir ce soir. Je vois une personne aujourd'hui qui va dire, j'ai déjà pris les tatatinine, des maratinine. J'ai déjà pris ça. J'ai déjà essayé. Aujourd'hui, je vais goûter aussi à ce que Jésus va me donner. Et je ne vais pas seulement goûter à ça. Je vais attester ce soir que ce que lui me donne est meilleur au nom de Jésus. Il te sera fait selon ta foi. Dieu
n'est pas contre que tu introduises les CV dans les entreprises. Dieu n'est pas contre que tu introduises tes projets dans ceci ou dans cela. Mais sa main sur toi fera que tu auras un travail miraculé, et des choses extraordinaires. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu n'est pas contre que tu planifies ton mariage dans 2-3 ans. Mais quand il entre en scène, tu auras le meilleur mariage de sa vie. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre que tu fasses l'épargne pour avoir. Il n'est pas contre ces choses. Mais quand lui entre en scène, c'est que les autres achètent avec 100 000. Tu peux acheter ça avec 10 000. Alléluia. Dieu entre en scène. Les naturels laissent la place au surnaturel. En fait, les surnaturels, c'est la suspension de loi du naturel. Et on entre maintenant dans les surnaturels. Les amis, je crois de tout mon cœur que ce soir, Dieu va faire quelque chose de surnaturel pour une personne. Alors, j'aimerais vous avertir. Les surnaturels, ce n'est pas les tremblements. Parce que il y a eu un miracle ici. Il n'y a pas eu de tremblement. Est-ce qu'on a vu quelqu'un en train de chut? Et même la personne qui opère le surnaturel, il n'a pas besoin d'entrer dans les sensationnels pour nécessairement qu'il y ait du miracle. On a pris de l'eau, on a rempli des vases, on est allé servir, il y avait un miracle sur la parole de Jésus-Christ. Et il est le même hier aujourd'hui, il est avec nous ici. Je ne sais pas pourquoi il me rappelle ça, Un jour, il dit à l'un des disciples, va pêcher. Et dans la... dans les poissons, tu vas trouver une pièce. Va pêcher. C'est pour ça que nous évangélisons. Parce qu'il y a un jour, à travers de notre évangélisation, on va gagner un poisson dans lequel il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Un pasteur qui veut devenir riche, il faut qu'il encourage l'évangélisation. Dans la bouche d'un poisson, c'est une pièce. Alléluia. Amen. Mais Dieu me dit ce soir que ce n'est pas normal. C'est surnaturel. Mais les poissons dans lesquels se trouve une pièce d'argent, c'est toi qui vas le pêcher. Normalement, quand une personne part à la pêche, c'est pour le poisson. C'est ce qui est naturel. Mais quand Dieu entre en scène, c'est pour le poisson et pour la pièce d'argent. Tu auras mieux que ce que tu devais avoir dans le travail. Wow. Dieu n'est pas contre que tu travailles et que tu aies ton salaire normalement. C'est pour cela que à la fin du mois passé, on t'a donné ton salaire.
Et c'est pour ça que Nayangope, tu t'attends encore à la fin de cette année qu'on te donne le salaire. Et il y en a même qui s'attendent au 13e mois. Dieu n'est pas contre ses primes. Mais Dieu, quand il entre en scène, quand Dieu entre en scène, il te donne au-delà de ce que tu as. Avant que cette année ne s'achève, Dieu va me donner au-delà. Dis ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Avant la fin de cette année, Dieu va me donner au-delà. Et dis-lui, tu ne verras pas les tremblements. Simplement, simplement. Pété, pété, joie. En face de moi, il y a une personne qui écoute ma voix. Il y a une personne qui est en train de me suivre. Je vous dis, comme ça, vous le voyez comme ça, un travail normal, mais pourtant, c'est un don que Dieu veut rendre très riche. Et Dieu va le rendre très riche. Il y a la richesse à partir du travail et il y a la richesse à partir des miracles. Il y a quelqu'un qui va dire le Dieu de la multiplication. Le Dieu de la multiplication. Le Dieu de l'abondance. Et parle, parle. Le Dieu de la multiplication. Le Dieu de l'abondance. Le Dieu de miracles. C'est mon Dieu. La chose qui montrera que Dieu est à l'œuvre dans ta vie ne peut pas être naturelle. Ce n'est pas par les choses naturelles que tu montreras que Dieu est avec toi. C'est avec les choses surnaturelles. Je te vois entrer dans la dimension où tu vas montrer aux gens que Dieu est avec toi. Les choses, la chose. Et même dans notre église, ce n'est pas les choses naturelles, c'est les surnaturelles. Y a-t-il quelqu'un qui est là et qui va dire, on saura que Dieu est avec moi. Ça va commencer par tes plus proches. Ça va aller partout où tu vas. Partout où tu te trouves. Que ce soit à la maison, en famille, au travail, à l'université, à l'école. Partout où tu te trouves. Ça se saura que Dieu est avec toi. Et ça ne sera pas par des choses naturelles, mais des choses. Il faut que ton médecin sache que tu es chrétien. Je le répète. Il faut que ton médecin sache que tu es chrétien. Que au-delà de ce que lui te donne comme produit, il y a des miracles qui s'accomplissent. Tu n'iras même plus au prochain rendez-vous. Parce que la situation change au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu n'es pas contre de lui donner un peu d'argent. Maintenant cet argent, tu vas plus le donner. Qu'il aille chercher ailleurs. Toi l'Éternel entre dans ta vie et il intervient pour toi au nom de Jésus-Christ. Wow. Est-ce que tu dis un bon amen? Il est temps que celui qui te soigne voit que tu es chrétien. Et qu'il te dise, mais comment je ne te vois plus? Hey,
C'était de la clientèle. Hein? Donc je devais venir à tout moment. Hein? Jésus est entré en scène et tout marchait. Oh, est-ce que tu peux donner un bon amen? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Il est temps. Il est temps qu'au travail on sache que toi tu es mystique. Que tu es chrétien. Parce que au-delà du normal, ce qui arrive à tout le monde normalement, toi, il y a toujours quelque chose de plus. Il y a toujours quelque chose de plus. Reçois cela au nom de Jésus. Je repose une question. Quand Jésus a fait le miracle de la transformation, on a dit la transformation de vin. Est-ce qu'il y a eu la chaleur? Il y a eu l'agitation. Dans ton calme là, un miracle est arrivé. Tu vois tel que tu es seulement là. Tel que tu es seulement là, au fait, tu es en train de décrocher un grand contrat. Alléluia. Amen. Il y a une sœur qui est ici. Donc, tel qu'on est là, tu vois, quand tu es en train de dire amen, là, le cœur d'un frère est en train de dire. C'est Chantal que je vais épouser. C'est Chantal que je vais épouser. Que ton amen attire l'homme de ta vie au nom amen de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et je dis à toutes mes filles, si vous n'allez pas connaître les mariages ordinaires, vous allez connaître les mariages extraordinaires. Je vais les mettre en français, mais en français de chez nous. Mariées, elles se sont mariées. Mais toi, ton mariage à toi, ça sera extraordinaire. Alléluia. Amen. Et c'est comme on dit chez nous. Mariées, elles ont menti. Mais toi, ton mariage sera extraordinaire. Donne un mot. Tu vois, c'est avec ton amen frère que le cœur d'une sœur dit, je l'accepte comme tel. Nous allons avoir un bon amen. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Est-ce que je peux avoir un bon amen? La vie avec Jésus ne peut pas être ordinaire. La vie avec Jésus doit être extraordinaire. Les choses avec Dieu ne peuvent pas être naturelles. Les choses avec Dieu doivent être surnaturelles. Oh, est-ce que tu peux répéter après moi extraordinaire? Extraordinaire. Surnaturel. C'est ça ta vie. Je disais que c'est ça ta vie. Non? Je disais que c'est ça ta vie. Répète après moi, extraordinaire. Surnaturel. Il faut que les gens voient Jésus à travers de toi. Waouh. La Bible a dit, tel fut le premier miracle, le premier des miracles. Écoutez les amis, j'ai prié que Dieu commence une nouvelle saison des miracles. Il y a une célèbre phrase. Écoute bien cette phrase. Les miracles ne s'accomplissent pas là où c'est nécessaire. Et ça, la sika bazo lukamote. Non, là où c'est nécessaire. Ah, esengeli. Non, les miracles ne s'accomplissent pas là où c'est nécessaire. Esika le vin avait manqué. Esilaka.
mais il n'y avait pas de miracle. Et pourtant c'était nécessaire. Mais les miracles s'accomplissent là où ils sont attendus. Et si Kabazon c'est l'ango. Amen. C'est pas parce que c'est nécessaire. Et ça peut te singuler ça les mains, bicamo ça les mains. Mais c'est lorsque le miracle sont. Et ça tango bicamo baso c'est l'ango. Quand le vin a manqué. Tango vino et silaka. Marie a dit. Marie aloba. Ils n'ont plus de vin. Et baso sur la vinoté. Waouh. Ils n'ont plus de vin. Vino et ça soudé. Alléluia. Amen. Les mêmes problèmes. Likambose moko. Mais kasi différence de solution. Bikamwa ebele. Quand les vins manquent. Tango fino silaki. Les autres sont dans les tourments. Bato bazana yiki yiki. Les autres sont dans les inquiétudes. Bamususu bazana mitungisi. Marie dit. Marie alobi. À Jésus. Ana Yesu. Ils n'ont plus de vin. Bazasu na finoté. Écoute, Yoka, Jésus, Yesu est la solution. Aza eyano, il suffit de lui faire appel. Kaka soko bengiye. Quand tu t'attends à lui, tango zo zele pa inaye. Ce qui manque aux autres, ozo zanga basusu, ne te manquera pas. Eko zanga yote. Ce qui manque aux autres, ozo zanga na basusu, ne te manquera pas. Epa ne ko zanga te. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis ce mot dans mon cœur. Je le libère. Il y a dans cette salle une personne qui est une star. Écoute-moi, mon ami. Écoute-moi très bien. Quelque chose intéressant. Et loko moko ya malamu. Jésus dit à Yesu Marie, alobi na Marie. Mon heure n'est pas encore là. Ngongalane ne belemite. Et on nous dit encore. Pe ba ibisi biso lisusu. Que ce miracle bikamwa oyo est le premier des miracles. Eza ya yambo na bikamwa. La question que toi et moi nous devons nous poser. Motuna yonanga sengeto mituna. Comment face à ces problèmes? Lolenge libosa likamboyo. Marie s'est tournée vers Jésus. Marie abaluke pa Yesu. Elle n'a jamais vu Jésus faire le miracle. Nana mona Yesu ko sala bikamwate. Mais comment elle est allée aborder Jésus? Kasi lolengeli na keko sola na Yesu. Pour que Jésus fasse. Pour que Yesu asala bikamwa. Et Jésus même le dit. Yesu yemoko pa ebisie. Mon heure n'est pas encore. Ngonga na ngai na neko kite. En fait, engeloba, retiens ce que je veux te dire. Kanga onengena ebisao. Marie, Marie croyait en Jésus. Azondi melaka Yesu. Mais elle attendait l'occasion. Kasi azako zela liba kuto tango. Et le jour où Pemokolo et pa iwapi. Elle s'est retrouvée avec Jésus. Ami mona kina Yesu. Devant un problème, elle a dit. Libosa likamba lobi. Ça y est. Ekoki. C'est l'occasion. Ngonga yangoyo. Les choses que je connais de cet homme. Makambo na yebina moto. Il n'a qu'à les faire aujourd'hui. Akosala ngolelo. Ils n'ont plus de vin. Ah, ma vie ne s'y lit. Ils n'ont plus de vin. Bah, ça sous la finoté. Lisez avec moi. Tanga nange longo. Luc chapitre 2. Luka mokapona mi balé. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces versets. Et bien, ceux qui se botanga. Mais c'est parmi les versets qui ne quitteront pas mon cœur. Moko ya milonge ko longo la moté malangate. Luc 2, 19. Luka mokapona mi balé. Nzela zomi na mwambe. Ça, c'est à la naissance de Jésus. Wana na mbotama na Yesu. Quelqu'un est-il là? Motomoka sa wana. Qu'est-ce qui est écrit? Et comment mini nikuna? Waouh! Lisez ça, s'il vous plaît. C'est Tanga yango. Qu'est-ce qu'on dit? Balobinini. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Waouh! Ma question. Et qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Nini yozo bomba na motema na yo? Et qu'est-ce que tu repasses dans ton cœur? Nini yozo lekisa na motema na yo? Je vais vous expliquer na zone ce que Luc écrit ici. Vous pouvez aller lire ça. Okay, à la
Quelqu'un est avec moi? Vous êtes avec moi? Je vais vous dire, si vous ne croyez pas au miracle, arrêtez de vous appeler chrétien. Si vous ne croyez pas au surnaturel, arrêtez de vous appeler chrétien. Arrêtez. Tout dans le christianisme est surnaturel. Tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Mokolo, je ne sais pas si elle était dans sa chambre, si elle était sur l'avenue, en train de marcher, où elle était assise. Elle était assise là. Kasi afanda kesika moko, un ange du Seigneur vient lui apparaître. Moi, je n'en colo à komelie. Tu es béni. Et Marie, tu es béni. Marie a opambami. Toi aussi, tu es béni. Yo opambami. Toi à qui la grâce a été faite. Yo pas ngolo et pesameli. Toi aussi la grâce t'a été faite. Yo pas ngolo et pesameli yo. Alléluia. Amen. Marie n'a jamais connu d'homme. Marie n'a na yeba mobalité. Et on lui dit, peba ebisié, tu tomberas enceinte. Okozwa zemi. Comment? Boni. Je n'ai jamais connu d'homme. Na ebi mobalité. Comment je peux tomber enceinte? Na kota na zemi nini. Et puis Dieu ne me cherche pas de problème, hein. Si je montre une grossesse ici, avant le mariage, on va me lapider. Quand Dieu veut prendre des risques avec toi, c'est pas pour ta destruction. Quand Dieu veut prendre des risques avec toi, c'est pour ta célébrité. Je prie que tu acceptes la folie de vivre des miracles avec Dieu. Et c'est toi qui deviendras célèbre. C'est toi qui deviendras célèbre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je voudrais te dire, Marie était là. Marie c'était un ange qui lui a parlé. Tout ce qu'elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ta servante. Alléluia. Amen. Miraculeusement, une grossesse est entrée dans son ventre. Je vois un miracle qui va amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh. Au lieu même de dire un amen, je vois un miracle venir étrangement dans ta vie. Marie est le numéro un et le dernier dans les miracles de conception. Marie azaya yambope ya suka na bikamo ya kobota. Sans relation sexuelle. Wana boku taina mobalité. Il se passera quelque chose dans ta vie qui ne se passera plus jamais dans la vie de quelqu'un. Et là comment que le kanabo monayo et ko sale masusute. Amen. Y a-t-il une personne qui peut déclarer je suis unique? Je vais le dire dans le français de chez nous. Vivre à eux les miracles, ils ont vécu. Mais mon miracle à moi sera unique. Alléluia. Amen. J'ai prié que le Seigneur sorte de toutes les personnes qui sont en train d'écouter ma voix. Une personne qui restera unique dans l'histoire. Alléluia. Amen. Il y a eu des Sarah qui ont conçu miraculeusement. Il y a eu des Rebecca qui ont conçu miraculeusement. Il y a eu des Anne qui ont conçu miraculeusement. Mais moi, Marie, la grâce m'a été faite. Mais toi, Mampadila, la grâce t'est faite. Chuchote à ton voisin. Je suis désolé, mais je serai unique dans ma famille. Alléluia. Amen.
Chuchote à ton voisin. Ce qui va m'arriver, je suis désolé, ça va pas t'arriver. En tout cas, moi, ça les attends, ça n'a pas de la. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. L'Élisabeth ont conçu. Mais moi, ma conception à moi sera unique. Avant moi, il n'y a jamais eu quelqu'un. Après moi, il n'y aura jamais. C'est toi. Je disais à qui? C'est toi. J'ai pris Dieu. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il fasse quelque chose d'unique pour toi. Encore une fois. Quand la grossesse est entrée, on n'a pas dit que Marie a commenté directement. Elle a simplement dit qu'il me soit fait selon ta parole. C'est après que ça a commencé. Ça a commencé après. Alors que tu reçois cette parole, la chose commence. La chose commence. Par le Saint-Esprit, quelque chose de nouveau commence dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Quelque chose de nouveau. Quelque chose d'unique. Quelque chose d'extraordinaire commence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça commence pour toi au nom de Jésus-Christ. J'aimerais vous informer. L'ange n'est pas venu chez Marie avec des ailes. Moi, j'ai ayakana ma papoute. Sinon, Marie allait fouiller. Marie allait potambang. C'était seulement quelqu'un. Ezaka motomoko. Quand il a apparu à Marie. Tango a mimonisi na Marie. Marie a regardé. Il a Atali. Ça, c'est pas quelqu'un de normal. C'est... Peut-être vous ne connaissez pas la signification des anges. Ange veut simplement dire envoyé. Beaucoup de fois, Dieu a envoyé les anges pour parler aux hommes. Mais beaucoup de fois, il a envoyé des hommes pour parler aux hommes. J'ai pris seulement ce soir que tu reçoives la parole que l'Éternel t'envoie. Moi, Marie, Marie, je ne suis pas contre la bénédiction d'Élisabeth. Je ne suis pas contre la bénédiction des autres. Mais j'accepte que ce qui m'arrive à moi est unique. Avant que cette date de l'année prochaine arrive. Les gens te poseront la question. Amen. Tu ne seras plus la même personne. J'ai dit tu ne. Les gens commenceront à dire. On ne te reconnaît plus. Tu n'es plus la même personne. Tu ne changeras pas physiquement. Ce n'est pas parce que tu vas devenir orgueilleux. La malchance d'être orgueilleux dans ta vie, je tue ça au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas compris. Au sosolité. La malchance de devenir orgueilleux ne va jamais entrer dans ton cœur. Et au nom de Jésus. Tu vas rester humble. J'ai dit tu vas rester.
Mais les choses que les gens vont voir, juste 9 mois après, kaka sans alibwa. Alléluia. Amen. Marie n'est jamais devenue orgueilleuse. Marie a qui l'olé ndoté. Marie n'est jamais devenue orgueilleuse. Et pourtant, c'est dans son ventre qu'est sorti le Seigneur. De toi sortira quelque chose de miraculeux. Il y a des gens qui ont marqué l'histoire dans de différents domaines. Il y a une personne ici qui va marquer l'histoire dans son domaine. Tel que nous sommes ici, il y a des gens qui vont mourir sans laisser les traces. Mais il y a une personne ici. Où est la personne? Dis à la personne à côté de toi. 9 mois après, tu verras. Dis-lui. Mais avant les 9 mois, tu vas voir des changements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un meilleur amen? Amen. Je crois ce soir que le Seigneur est en train de déclencher quelque chose qui va rendre une personne ici célèbre. Est-ce que tu es la personne? Reçois cela au nom de Jésus. Toute personne qui avait eu l'occasion de se moquer de toi, avant les 9 mois, il verra les signes que Dieu est avec toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es en train de recevoir? Qu'est-ce que Marie gardait dans son cœur? Qu'est-ce que Marie gardait dans son cœur? Non seulement elle a conçu Jésus miraculeusement. Ça, je rêve. Est-ce que j'ai été violé pendant que j'étais dans l'insomnie? Ou quoi? Non. J'ai vraiment vu l'ange. Et le jour de la naissance de l'enfant. D'abord, avant la naissance de l'enfant. Joseph. Joseph. Je ne comprends pas. Nazo sosolate. Nini. Je ne comprends pas. Nazo sosolate. Ne t'en fais pas. Zala kimia. Il est aussi venu me dire. Yé pa ki koe bisangai. L'ange est aussi passé de mon moi, je parle les cas qui n'ont pas. Ce n'est pas à cause de ce que tu me dis. Ezapona osolo banangate. Je ne te crois pas. J'avais déjà fait mon projet de divorce. Mais il est aussi venu me voir. Toute personne nécessaire à ta vie ne te lâchera pas. Les hommes et les femmes de ta destinée resteront attachés à toi. Ceux qui sortiront de ta vie, ce sont les personnes qu'il ne te faut pas. Mais tous ceux qu'il te faut dans la vie, ils resteront avec toi au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui est nécessaire à toi, Dieu te le préserve au nom de Jésus. Aïe, la combo na Jésus.
Est-ce que tu reçois ça? Les partenaires qu'il te faut, l'homme qu'il te faut, la femme qu'il te faut, la personne qu'il te faut, ne quittera pas ta vie. Il reste attaché à toi. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui travaillera à éloigner les bonnes personnes à côté de toi, il échoue au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit un démon, un sorcier, je ne sais pas qui il soit, il veut travailler pour te nuire. Il ne réussira pas au nom de Jésus. Toute personne nécessaire à ta vie restera attachée à toi. À l'inverse, toute personne qui n'est pas nécessaire, je l'éloigne de toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Joseph. Je te comprends. Nazo sosola. D'ailleurs, Koutou, je ne te toucherai pas. Nako simba yote. Jusqu'à ce que cet enfant viendra. Dis que nous moi nous habibana mokili. Les gens des garçons, le lenga mibana mibali qui s'approchent de toi et te disent, obazo pousse na penelo pa baloba. Prouve-moi que je t'y m'aime. Ndimi sanga te yo linga ngai. Il te demande que tu l'embrasses. Ou que vous puissiez aller ensemble. Je prie que de tels garçons, écoute, quand un garçon comme ça viendra chez toi, que tu puisses les rêver avec des cornes. Tout garçon qui s'approche de toi dans le but d'abuser de ton corps, je le frappe même d'impuissance au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez les amis, yo kabaninga, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je crois que si on avait fait de telles prières sur ma vie, ma vie n'allait pas être celle-là. Mais en tant que bon père, même s'il y a des prières qu'on n'avait pas faites sur moi, je l'ai fait pour mes enfants. Recevez cela au nom de Jésus. Personne qui aimerait nuire à ta vie. Je prie que physiquement, si tu ne vois pas, dans la nuit que tu rêves, que tu le vois comme un serpent. Tu le vois comme un serpent. Toi-même, tu te dis, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Même un travailleur, un partenaire, qui que ce soit, si c'est seulement une mauvaise personne, si tu ne le vois pas physiquement, que spirituellement tu le vois. Amen. Et le jour où ça arrivera, que toi tu n'as pas vu, spirituellement ou physiquement, à cause de la prière que tu reçois ce soir, cette personne se loigne de toi au nom de Jésus. Reçois la grâce d'être entouré de bonnes personnes. Reçois la grâce d'être entouré de bonnes personnes. Des personnes qui ne vont pas t'amener au péché. Des personnes qui ne vont pas t'entraîner au mal. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La Bible a dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne seras plus entouré de mauvaises personnes. Dieu les éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et la Bible a dit,
Fréquente les sages et tu deviendras sage. À partir d'aujourd'hui, il y a comme une attraction de personnes sages dans ta vie au nom de Jésus. Marie et Joseph sont restés et ils se sont pas touchés jusqu'au mariage, jusqu'à la naissance de Jésus. Et ce qui est drôle, à la naissance de Jésus, alors qu'ils sont là, c'est là où nous sommes dans Luc, les bergers, beaucoup de bergers qui étaient dans les champs, ils ont eu la visite d'un ange. Un ange est venu leur dire, il vous est né aujourd'hui dans la ville de David, le sauveur du monde. C'est pas vrai. Ah, laisse-nous. Pendant qu'ils sont en train de discuter comme ça, de nombreux anges viennent. Je prie que toi, tu sois visité par de nombreux anges, pour que tu discernes les choses les nécessaires de ta vie. Pourquoi tu ne peux pas donner un maire? Les anges là ont été visités par la grâce. Mais toi, tu vas être visité encore par la grâce et la bénédiction au nom de Jésus. Et quand les anges les ont visités, ils sont allés chercher l'enfant Jésus. Et ils ont trouvé Jésus exactement comme on leur avait dit. Alors ils ont raconté ça à Marie. Marie a gardé la chose. Cette grossesse qui est unique comme ça, c'est le sauveur du monde. Quelques temps après, les mages sont arrivés. Ils ont adoré l'enfant Jésus. Marie a dit, la grossesse que j'ai eue, c'est un enfant particulier. Depuis là, Marie n'a jamais trouvé l'occasion de commencer à expérimenter Marie les choses qu'on lui racontait. Maintenant, il se retrouve à la fête des mariages et il voit qu'il y a une situation catastrophique. En fait, Marie a saisi une occasion unique. Elle cherchait l'occasion de tester toutes les paroles qu'on lui disait. Si c'était comment, le jour où elle a trouvé l'occasion. Et c'est aujourd'hui ton occasion. Je disais que c'est aujourd'hui ton occasion. Quand elle a vu une occasion pour que Jésus fasse un miracle, elle est allée, elle a dit à Jésus, fais quelque chose pour eux. Jésus dit, mon heure n'est pas là. L'occasion est là. Ce n'est plus le problème de l'heure. L'occasion, c'est l'heure pour moi. J'ai cherché ça pendant longtemps. L'occasion, c'est l'heure pour moi. Et aujourd'hui, c'est ton heure. Et il a dit, faites ce qu'il vous dira. J'aimerais que tu fasses ce que le Seigneur te dit. Et quand le Seigneur te dit des choses, il te dit des choses qui dépassent la tête. Ils ont besoin de vin. Et lui demande d'aller puiser de l'eau. Oh, de l'eau. Mai. Mes amis, avez-vous déjà vu une fête? C'est bon, mon intégré. Où on va aller servir de l'eau. Et si de la maille. Il sait ce qu'il veut faire. Il leur dit, puiser de l'eau. Allez servir. Mais il y a quelque chose que vous n'avez jamais fait. Regardez bien ce texte. La Bible dit, ils sont allés puiser et ils ont rempli. Ils n'ont pas seulement puisé. Non, ils ont battondi ça. C'est-à-dire que ces serviteurs commençaient déjà à s'attendre à quelque chose de grand. N'attends pas quelque chose de petit. Ça veut dire
en d'autres manières que tu ne crois pas. Si vraiment tu crois, ceux qui pensent aux ondima, tu vas t'attendre à quelque chose. Oko zela iloko, ya mon nene. Cette semaine, posoyo, c'est la semaine de ceux qui croient aux grandes. Eza poso ya bato bazo ndime la biloko minene. Est-ce que tu as la foi? Ozana kondima. Incline ta tête dans la prière. Kumba mutuna na lusambo.